Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une maison un peu en forme de zigzag, tout carré. Tu vas voir ce que je. Tu vois, voilà, cette maison là dont je parle. Et c'est vrai que c'est une maison avec. Enfin, c'est vraiment une maison originale pour le coup, avec un toit tout tarbouillé comme ça. Je sais que ça veut rien dire, mais enfin. Et ça rend plutôt bien. Et ça rend plutôt bien. Donc voilà, ces petites maisons du coup que j'avais envie de vous montrer. Et en plus, elle est très facile à faire vu qu'une fois qu'on a la forme du toit. Voilà, on la prolonge et après, c'est quasiment bon. Il suffit de rajouter des piliers et quelques petites jolies fleurs. Et puis voilà. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en premier lieu, on va commencer par la droite, hein, ça va être plus simple. On va utiliser des demi-blocs, ok, des demi-blocs de bois, de pas de bois justement, de pierre lisse. Voilà, donc je précise aussi que mon pack de textures est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Et on va faire une colonne comme ça de 7 blocs de hauteur de blocs de pierre lisse. Ok. Ici après, on en fait 6 sur la longueur. Donc on prend en compte le bloc là. Hein, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, comme vous pouvez le voir. Ici après, on va faire une grosse colonne qui va faire 10 blocs de hauteur, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc on va laisser 3 blocs en dessous de la ligne qu'on a fait ici. Ok, 3 blocs en dessous. Et en tout, on va faire 10 blocs en hauteur. Avec voilà 3 blocs d'écart pour pouvoir avoir une espèce de tranche au milieu. À partir de là, du coup, on va laisser 3 blocs de marge par rapport en haut cette fois-ci. Ok? Et on va faire 5 blocs de longueur à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir sur le panneau. Ici, du coup, on reprend le truc, vous avez compris l'idée, hein, on va faire 4 ici comme ça, puis après 5 comme ça. Après, on monte de 1, on en fait 8. 8 comme ça sur la longueur. Ici, on en fait 4. Ok, ici, re, 4 encore, et ici, 3. Et normalement, vous devriez avoir, hop, pouf, pouf, deux blocs d'espace avec le sol. Voilà, pour voir un petit peu les différentes choses. Alors, une fois qu'on a notre forme ici, comme ça, bah, c'est tout simple. On va la reproduire exactement sur 16 blocs de longueur, ok? Voilà, magnifiquement. Une fois qu'on a ça, peut-être les pancartes ne sont plus vraiment utiles à garder, hop. Hop, hop, et pour compléter un peu la structure, en fait, on va juste, j'ai tout pété, voilà, on va surélever un petit peu l'espèce de fente ici, comme ça, vous voyez, il y avait des espèces de gros carrés que vous avez ici, enfin, c'est un rectangle, hein, mais voilà, c'est un gros carré quand même, on va la surélever de un bloc par rapport au reste de la structure, ok, c'est tout, on fera la même chose de l'autre côté, youp, hop, voilà, et. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter quelques détails quand même, parce que c'est vrai que la maison là pour l'instant elle est un petit peu vide. Une fois qu'on a fait ça, on fera ça aussi de l'autre côté. On va rajouter, ok, des tapis en noir du coup sur toute la surface du toit, hein, comme ça. Ok, et une fois qu'on a rempli notre petite surface de tapis noir comme ça, on va pouvoir mettre en place les espèces de poteaux en bois là que vous voyez sur la surface. Qui sert à maintenir la structure quand même, un minimum. Et l'idée, c'est qu'on va venir, voilà, sur le côté de la structure, ici, comme ça, on va venir à un ou deux blocs, je ne sais plus. Hop, j'ai mis deux blocs, voilà, deux blocs ici, de ce côté-là. Donc, la même chose de l'autre côté, j'imagine, aussi. Ok, on va aller à deux blocs à l'intérieur de la structure. Youp, c'est-à-dire, on va compter 1, 2, et à partir du troisième bloc, on va mettre des colonnes, ici, comme ça. À chaque fois qu'il y aura des changements, c'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a un côté de la structure ici comme ça, on va mettre une colonne comme ça qui va venir à côté. Ici, pareil, hop, youp, on va faire juste des colonnes en bois comme ça, mignonne comme tout. Ouais, j'ai fait ça aussi, la même chose, c'est-à-dire qu'on va rajouter une colonne ici comme ça, youp. Et alors ici, du coup, au niveau de notre espèce de tranche, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Bon, même si c'était pas bien compliqué, je te l'avoue, on va juste rajouter un mur en dessous. Voilà. Un bête mur, tout simplement. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Ok, donc une fois qu'on a ça en fait, on va prolonger, on va revenir sur ce côté-là, vous voyez, sur cette colonne-là, et on va la prolonger sur toute la longueur de la maison, jusqu'à laisser évidemment aussi deux blocs, hop, de marge de l'autre côté aussi du toit. Remplis cette petite surface du coup rapidement. Voilà. On n'oublie pas aussi de reprendre ces mêmes colonnes-là et de les faire de l'autre côté ici. Voilà. Alors du coup,
Une fois qu'on a ça, tu sais, maintenant on a plein de trous en fait dans nos murs. Là, voilà. Donc ça, on commence à voir une petite, on commence à voir qu'il y a une maison derrière tout ça. Sauf que pour l'instant, bah, ça reste juste des piliers comme ça posés sur un champ et il va falloir mettre un petit peu des murs. Alors l'idée c'est qu'on va juste utiliser des bêtes vitres, voilà, comme ça, et on va pouf pouf les poser sur le sol et on va remplir l'espace qu'il y a entre les piliers et le toit. Pour remplir complètement tout ça de vitres, à l'exception de notre fente ici comme ça, qu'on va laisser sans rien du tout, et que comme tu peux le voir sur le machin, on va mettre des feuilles avec de l'éclairage derrière, mais je te montrerai ça juste après. Pour l'instant, on remplit les trous à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a mis les vitres aussi comme ça, on va pouvoir mettre un peu le sol aussi, parce que c'est vrai que traîner les pieds dans l'herbe et de la gadoue, c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Donc, l'idée c'est que tu vois, on va juste mettre le sol en bloc de bois de bouleau. Et donc on va venir hop, par-dessous la structure ici comme ça. Et on va venir faire tout le contour tout jusqu'à là-bas. Ok. Et on va prolonger aussi sur tout le côté. Et on va aussi faire tout l'arrière-cour de la maison en bois de bouleau comme ça. C'est-à-dire qu'on va reprendre ici, là, le bord de notre mur. Et à partir du bord ici, on va compter 10 blocs. C'est-à-dire qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. À partir de là, on met un repère pour savoir jusqu'à où on va. Et on va aller tout jusqu'au fond et on va s'aligner avec le mur, avec la maison là-bas. On va laisser juste l'alignement avec le mur ici sans bois, ok? Et on va juste, voilà, recouvrir toute cette surface-là de bois, hein, de bois de bouleau comme celui-là. Voilà, hein, une fois qu'on a ça, la maison est quasiment finie. Il nous reste quelques petits aménagements quand même, hein, parce que bah on peut pas rentrer dans la maison pour l'instant. Donc on va ouvrir ici comme ça, hop, 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 hop. Ok, pour avoir une ouverture ici, on va faire la même chose ici, hop, et on va faire une vraie porte d'entrée, tant qu'à faire, à ce niveau-là. Ok, donc on va casser la vitre à ce niveau-là, on va même enlever celle qui est en dessous aussi. Et on va utiliser les demi-blocs, ou les blocs complets, hein, peu importe. Attends, je vais regarder vite fait quand même sur le modèle que j'ai fait. C'est quand même pratique. Voilà, donc j'avais juste mis un demi-bloc, c'est ça, avec des trappes par-dessus pour que ça soit moins gros qu'un bloc complet. Hop, voilà, donc à partir du troisième bloc ici en hauteur, on met juste des demi-blocs de bois et on va les remettre, on va mettre des trappes par-dessus, des trappes en bois aussi. Hop, pouf, 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 pouf. Alors on se met accroupi pour pouvoir poser les trappes les unes par-dessus les autres et on va faire, voilà. Youp, un espèce de petit toit en trappe, histoire de faire une porte d'entrée sympathique. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va reprendre nos demi-blocs, hein, comme pour le toit, nos demi-blocs de pierre, et on va venir dans le prolongement du mur. Dans le prolongement du mur? Non, juste à côté. Yeah, ouais, là, c'est ça. Juste à côté du mur, en fait. Hop, ici. Et on va venir faire une petite rangée ici comme ça de demi-blocs sur le côté de la maison par devant pour avoir une entrée un petit peu sympa, une entrée un petit peu classe. Hop, on va venir du coup faire une espèce de U comme ça pour laisser toute une bande de verdure à l'intérieur de nos demi-blocs ici comme ça. Et on va entourer complètement, hop, voilà, on va entourer complètement notre cour arrière, hein, notre terrasse à l'arrière de la maison, avec des demi-blocs. On va s'arrêter ici parce que pourquoi pas. Et on va, voilà, laisser. Et en fait, ça va nous servir à la fois de clôture et de pot de fleurs pour la décoration un petit peu. Hop, alors attends, je te montre ça, on finit ça vite fait. Et on va faire une décoration très simple en fait dans cette espèce d'espace. C'est-à-dire qu'on va reprendre juste des blocs de feuilles. Ok. Des blocs de feuilles. Et on va les mettre une sur deux comme ça sur toute la longueur. Et on va les monter après, hop, alternativement à 2 et 3 blocs. Pouf, comme ça. Ok, tu vois. Donc là, on va laisser, voilà, deux blocs de feuilles. Puis après 3, puis 2, puis 3, puis 2, puis 3. On va faire ça, du coup, sur toute la longueur, ici, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les fleurs bleues. Ok, qu'on les a mis sur toute la longueur. On va utiliser les fleurs bleues pour le venir mettre sur l'espèce de petite ouverture en herbe qu'on a fait sur toute la longueur ici entre la terrasse et notre pot de fleurs.
et on va tout simplement recouvrir intégralement cette surface là de fleurs bleues, et ça rend plutôt bien, je t'avouerai. Donc on garde ça comme ça, hop, qu'est-ce t'en dis? Sympathique. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va faire une espèce de table au milieu de notre terrasse, parce que quand même, c'est intéressant. Hop, on va faire une espèce de carré comme ça, en bloc de bois foncé. Et on va venir mettre des strings, en fait, des ficelles, hop, ici comme ça, devant notre carré, pareil à l'arrière. Et on va pouvoir mettre, du coup, des tapis par-dessus tout ça. Hop, histoire de faire un truc vraiment moderne, parce que pour le coup, la forme de la maison, elle est vraiment moderne. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser des tapis, enfin une table qui soit un peu dans le même délire. Hop, donc voilà, on va mettre des fauteuils ici comme ça. On va mettre des fauteuils de l'autre côté qui soient décalés de un bloc, tu vois, pour que ça soit pas exactement en face. Encore une fois, dans une idée de modernité, même si c'est un peu, voilà, c'est anecdotique, mais quand même, pourquoi pas. Et maintenant, du coup, il nous reste à faire l'avant de la maison, hein. On va rajouter quelques petits morceaux intéressants, c'est-à-dire qu'on va reprendre nos blocs de demi-blocs de pierre lisse, ici, comme ça, et on va, par exemple, ici, là, devant la fenêtre, hop, mettre une petite rangée que l'on va mettre à la même hauteur que l'autre, là-bas, qui va non pas servir de plante verte, comme pour, de pot de fleurs, comme pour l'autre, mais on va creuser dedans, à deux blocs de profondeur. On va remplacer les murs ici sur le côté par des demi-blocs, voilà, et on va en fait tapisser le fond avec un truc blanc, un bloc blanc. Donc là je suis avec le pack de texture du Amberstone, mais avec la neige par exemple, voilà, avec de la neige on tapisse le fond de notre petit bassin, hop, et on rajoute de la flotte par dessus. Yip. Voilà, et du coup ça nous fait une petite, voilà, quelque chose qui nous permet d'avoir un peu de décoration sur le devant de notre maison. D'ailleurs j'ai pas fait la fente encore, il va falloir que j'oublie pas. On reprend du coup les blocs de bois de bouleau avec les demi-blocs de bois de bouleau, donc les blocs et les demi-blocs, et on va prendre aussi quelques fleurs, alors au choix, moi j'aime bien ah c'est pas les lilacs. Ah non, c'est ça les lilacs. Bon bref, moi je vais prendre des pionniers là. Et on va mettre, hop, vous voyez, dans le sol creusé, dans le sol, des espèces de barres comme ça. De bois. Hop. De bouleau. Pour faire un peu une entrée devant cette maison. Youp. Et on va faire, pouf, 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 des fleurs ici comme ça. Alors, pour rester un peu dans la cohérence, normalement on devrait utiliser la même chose de l'autre côté ici, tu vois, faire des barres dans le sol, sauf que j'avais envie de changer un petit peu, voilà, parce que je suis un petit fou, et j'ai mis du coup des espèces de marches comme ça, hop, des demi-blocs sur le sol, histoire de changer un petit peu, voilà. Donc c'est pas cohérent, mais voilà, c'est une petite touche que j'aime bien, donc je l'ai rajouté. Voilà, donc on va vraiment finir du coup ce tutoriel par l'aménagement de la fente ici. Alors au niveau de l'intérieur de la maison, on n'est pas obligé de la garder. Hop, on peut faire une ouverture comme ça en laissant quand même un bloc ici avec la vitre, parce que ça fait mieux. Hop, on peut enlever tout cet espace là, ça nous fait un gain d'espace au niveau de l'intérieur de la maison qui n'est pas négligeable. Et on peut rajouter aussi du coup de la lumière. Alors on peut utiliser des pierres lumineuses, de la scie lanterne, de tout ce que tu veux, des torches, des blocs lumineux, c'est plus sympa. Et on va les mettre à 3 blocs de profondeur. Ok, ici comme ça, on va laisser 3 blocs de profondeur et on va mettre toute une grande colonne de glowstone ici comme ça. Et on va utiliser des machins comme ça pour faire des feuilles, pour faire voilà, par-dessus la glowstone, on va faire ça. Ok, il y a même des gens qui viennent regarder mon travail, voilà, sur le serveur. On est sur un serveur, on est sur le serveur Amberstone. Vous avez l'IP dans la description aussi si vous voulez venir. Et sur ce, on en a fini avec notre petite maison ultra moderne, comme tu peux le voir. Et on va quand même dire coucou à qui c'est qui est là. Hop. MaxoTerror59, parce que pourquoi pas. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais reprendre ma canne à pêche, c'est plus sympa. Hop. Et sur ce, moi je vous dis à tous très bon jeu, bon vent matelot et à la
prochaine!